Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un point très court et très très important. Souvent on part du principe que quand on a foi, on se dit ben ce qui doit être sera. Pour autant, j'ai envie de faire un petit point important parce qu'il y a des personnes qui me disent ben soit t'as foi en la vie et dans ce cas-là t'as foi en la vie, soit t'as pas foi. Alors je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très grossier, c'est pas parce que j'ai foi en la vie et que j'ai conscience que je dois pas mourir aujourd'hui que pour autant je vais aller sauter d'un pont aujourd'hui en disant à Dieu « Hey, mais c'était pas mon jour de mourir et tu m'as quand même laissé mourir !» C'est pas parce que c'est pas le jour ou c'est pas l'heure de quelque chose qu'il faut pour autant aller titiller le destin dans ce qu'il ne doit pas être. J'ai eu une discussion avec des personnes autour de moi par rapport au fait que, par exemple, j'avais décidé avec Mathieu de pas exposer mes enfants de trop près aux personnes qui sont piquées. Faut savoir que bien sûr on ne peut pas éviter les personnes piquées partout dans la rue, etc. Néanmoins, des personnes très proches qui vont être amenées à leur faire des bisous et être très très proches, ben, on avait tendance à préférer avec Mathieu attendre quelques semaines, le temps que la personne piquée ne soit plus contagieuse. Et des personnes m'ont dit, ben, tu dis que t'es pas dans la peur, mais t'es dans la peur. Ben, en fait, si on est d'accord sur ce point-là, le travail d'un parent, c'est de protéger son enfant, d'accord? Même si je sais que mon enfant est pas censé, mes enfants ne sont pas censés avoir de problèmes majeurs aujourd'hui, je vais pas aller prendre le risque de les mettre en contact avec quelque chose qui pourrait leur être nocif, alors qu'en fait, je peux éviter cette chose-là. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a conscience que c'est pas notre jour aujourd'hui, qu'on va aller prendre des risques inutiles. Je vais pas aller me mettre en plein milieu d'une autoroute en me disant « je sais que je vais pas mourir aujourd'hui ». Je veux dire, faudrait être complètement inconscient pour tester quelque chose comme ça. Ça serait de la foi incroyable ou une connerie incroyable. J'hésite entre les deux. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous partager ce point de vue-là. Parce que je pense que c'est pas parce que ce qui est écrit et ce qui doit être sera que pour autant on doit tester le destin. D'ailleurs, il y a une petite blague à laquelle je pensais, c'est un mec, sa ville est inondée et puis il a foi en Dieu, il fait que répéter à tout le monde qu'il a foi en Dieu. Sa ville est inondée et sa maison commence à prendre l'eau. Alors il monte au premier étage et puis il y a une barque qui passe devant sa fenêtre et puis qui lui dit bah, venez, on va vous sauver. Non, j'attends Dieu, je sais que c'est Dieu qui va me sauver. Du coup il prend pas la barque, puis l'eau continue à monter, il monte au deuxième étage de sa maison, il y a quelqu'un qui vient avec une autre barque qui lui dit venez monsieur, ça craint, vous allez peut-être bientôt mourir. Non, j'attends, c'est Dieu qui va venir me sauver. Alors il prend toujours pas la barque, il y a un hélico qui finit par passer, il dit monsieur, venez, vous allez vraiment mourir. Il prend pas l'hélico en disant non, c'est Dieu qui va venir me sauver. Et puis le mec meurt. Et du coup, il arrive devant Saint-Pierre et il lui dit « Ouais, j'avais foi en toi, tu m'as pas sauvé. » Puis il dit « Mais t'es con quoi, je t'ai envoyé 3 personnes pour te sauver et puis à aucun moment t'as pris la perche que je t'ai tendue. » Voilà, ça vient étoffer ce que je viens de vous raconter. C'est pas parce que ce qui doit être sera qu'on doit pas prendre les perches du destin pour pouvoir se protéger ou en tout cas sauver sa vie. Voilà, bonne journée, à très bientôt.